Azrael, je vais me débarrasser de ces misérables nabots une bonne fois pour toutes. Bien, une petite démonstration de ce que j'ai l'intention de faire à cette vermine. Regarde bien. Pauvre misérable lâche! Je ne pourrai jamais compter sur toi! Mais je trouve que de cueillir de la salsepareille, t'es pas d'accord, ouais? C'est schtroumpf, oui, mais ce n'est pas stimulant intellectuellement, n'est-ce pas? Oh, pas du tout. Mes talents seraient quand même mieux utilisés si je stimulais votre intellect en vous récitant mes célèbres maximes, n'est-ce pas? Qui sont connues maintenant de par le monde. Mais bien sûr, vous me donnerez de temps en temps une de ces petites merveilles pour que ma gorge ne s'assèche pas trop vite, n'est-ce pas? Bah, finalement, la cueillette n'est pas une si mauvaise chose. J'aime bien cueillir des schtroumpfs, moi. Mais non, mais restez, oui. Ça me fera tellement plaisir de vous avoir à dîner. Ah, vous voilà, misérable. Vous ne m'échapperez pas cette fois. Mais qu'est-ce que c'est? Faut pas se tromper ici. Je les déteste, ces petits nabots bleus. Je les déteste, Azrael. Je les hais, je les exècre, je les vomis, ces petits monstres. Ouais, mais cette fois, rien ne pourra m'arrêter maintenant. J'ai mis au point chaque détail. Rien ne peut plus aller de travers. Ouais, cette fois, je les tiens. Ils ne pourront rien faire contre mon génie diabolique. Ils me le paieront très cher. Adit, t'es courageux de te dresser contre lui comme ça, tu sais. Et Gargamel n'est pas si coriace. T'aurais dû me le laisser. J'aurais donné une leçon et une main dans le dos en plus. C'est réjouissant de voir enfin quelqu'un d'autre schtroumpfer ridicule comme cela, n'est-ce pas? Oui, Azrael. L'art peut être un exercice particulièrement périlleux. Mais ça en valait la peine. Mais qu'est-ce qu'ils vont me payer? Admire, Azrael, mon plus beau chef-d'œuvre. Absolument, un grand schtroumpf géant, mais celui-ci est creux. Oui, ces pauvres petits nabots seront incapables de résister. Ils me conduiront dans leur village. Et ensuite, le moment venu, je me glisserai dans le village et je ferai une razzia. Quelle classe, quelle finesse, quel talent, quelle monstrueuse imagination. Razzia sur les schtroumpfs. Les schtroumpfs passent sans arrêt à côté de leur grand chêne adoré. Là, rentre à la maison. Je ne veux pas que tu les effraies avant qu'ils aient eu le temps de... Les schtroumpfs, disparaissent. Disparaissent, sa capuche pouilleuse. Va-t'en. Espèce de petit... Un schtroumpf, alors. On a des provisions pour tout un mois, maintenant. Tant mieux, parce que moi, ce n'est pas un travail passionnant pour ma... Non, d'un petit schtroumpf. Non, mais regardez, n'est-ce pas? C'est une statue du grand schtroumpf. Ah, oui. Eh ben, dis donc, il est aussi grand que Gargamel. Non, pas autant. Mais d'où ça peut bien venir? Il y a écrit que c'est un cadeau d'un admirateur inconnu. Un véritable monument à la splendeur de tout ce qui est schtroumpf. Il faut l'emmener dans notre village immédiatement, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être un piège, attention. Oui, attention. Moi, je suis partisan de le laisser là et d'en parler au grand schtroumpf. Utilisez votre cervelle pour une fois, essayez en tout cas, n'est-ce pas? Un voleur pourrait l'emporter. Cette statue doit se dresser au centre du village et être admirée par tous les schtroumpfs. C'est exactement ce que j'avais prévu. Mon plan fonctionne admirablement, Azrael. Ma statue est schtroumpfement lourde. Croyez-moi, mes efforts seront payés de retour. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a encore?
Mais les roues, elles sont trop larges pour traverser le pont. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On pourrait essayer pour les rapetisser. Ouais. Mais ne dis pas de bêtises. Nous l'emmènerons simplement par un autre chemin. C'est facile, n'est-ce pas? D'ailleurs, je connais un raccourci. Ah. Attention, vous allez casser la statue du grand Schtroumpf. Attention. Et pourquoi tu es tellement inquiet, toi? Mais c'est vrai, ça. C'est fait en bois exactement comme ta tête, d'ailleurs. Ça ne devrait plus être très long maintenant. Je vais bientôt offrir à ces misérables nabots le cadeau qu'ils méritent, moi. Je les ai pas entendus depuis pas mal de temps. Alors je vais jeter un petit coup d'œil et ya. Mais qu'est-ce qu'on fait là-haut? Je trouve ta lunette, c'est le raccourci le plus long que je connaisse, hein. J'en ai assez, moi, de ton raccourci, je trouve ta lunette. Bah oui, et comment on va emmener la statue du grand Schtroumpf au village maintenant, hein? Eh bien, il va falloir la faire descendre en la retenant vite des cordes. Et il suffit de travailler en équipe, quoi. Ah, pas la peine d'être plusieurs, alors. Misérable pourriture bleue. Même pas capable de retrouver le village en disant bête. Ah, ça y est, c'est reparti. Ah, c'est pas trop chaud, hein, voilà. Attention, on avance beaucoup. Trop vite. Non, la statue s'enfuit toute seule. Je ne peux pas la retenir. Elle est beaucoup trop lourde. Cette statue n'est pas si lourde. Elle trappe la corde quand elle va passer, hein. Attention, hein. Mais qu'est-ce que j'ai été faire là-dedans? Ça l'empêchera de nous filer entre les schtroumpfs. Bon travail. Le travail en équipe n'est pas une si mauvaise chose. Ah non, hein, si on continue notre petit travail d'équipe, ben on peut descendre la statue jusque dans la vallée. Oh ben c'est pas si difficile que ça. Il faut faire travailler nos muscles. Allez. Maman! Pour moi, ça flotte. Oh, déchus. Chut. Ne t'inquiète pas, Israël, on sera mort noyé avant d'arriver là-bas, non? Esprit la gauche au burgers plus plate. Grosse bouffe, prends son bain. Alors, qu'est-ce que c'est bon ça, alors? La grosse bouffe, il a trouvé un gros joujou. C'est le grand Schtroumpf, il est en poupée. Non. La poupée, elle parle. Maman, je suis pour ta maman. Alors papa. Ça c'est mieux. On ne retrouvera jamais cette statue. Alors, il suffit de continuer à chercher, n'est-ce pas? Car rien, absolument rien, ne doit se dresser sur la route de la gloire de notre grand chef Schtroumpf. Poupée, papa. Grosse bouffe. Mais c'est grosse bouffe. Écoutez-moi bien. J'ai un plan. Papa, la poupée, c'est papa. Elle est la poupée à papa, grosse bouffe. Le village est juste devant. Attendez, il ne faut pas que le grand Schtroumpf voie la statue dans cet état, n'est-ce pas? Non, pas encore, Azrael, il faut attendre qu'elle soit ravalée. Et nous aurons tous les Schtroumpfs que nous voudrons. Mais c'est pas la peine de tout gâcher maintenant. Schtroumpf à lunettes, quelle est cette surprise que tu me réserves depuis tant de créneaux de Schtroumpf? Je vous en fais cadeau. Grand et noble Schtroumpf. Il dit quoi? Nom d'un Schtroumpf? Quand avez-vous trouvé le temps de fabriquer cela? Mais on ne l'a pas fabriqué, grand Schtroumpf. Je l'ai trouvé. Et comment tu as trouvé cette statue? Près du grand chêne. C'est un cadeau d'un admirateur inconnu, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de très schtroumpfant dans ce cadeau, Schtroumpf à lunettes. Tu vis qui vient dîner ce soir? Qui veut être le dessert? Schtroumpf!
Chauve bricoleur, chauve cochon, la catapulte, vite! Oula! Tu es peut-être un peu coriace, hein, je te réserverai pour Azrael. Azrael est un trouillard, un trouillard, un trouillard. Oh, ce que c'est amusant! C'est bien. Il faut que je fasse ça plus souvent. Azrael! Youpi, ça réglera le compte d'Azrael. Oui, on n'est pas prêt de le revoir par ici. Maintenant, à Gargamel. Misérable vermisseau bleu, je n'ai pas besoin de ce chat. Je peux me débrouiller tout seul. Qu'est-ce qui... Oh non! Voilà ce qu'on appelle travailler en équipe. Le travail d'équipe fait toujours un jour ou l'autre. Vous me le paierez. Vous me le paierez très cher. Grosse bouffe, il aime bien la poubelle. Ah non, il va, non, mais là, tu reviens. Grosse bouffe a dit qu'il était pas maman. Ah oui, 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 impossible de se dire c'est papa, papa, papa. Grosse bouffe, il aime bien la poubelle. Qui dit papa, miam, miam, grosse bouffe à la garnie.